seconde journée se déroulera vers la visite d'une commune populaire. Nous prenons la direction traversant le champ dans le bord de route, les gens travaillent même le dimanche comme vous pouvez le constater. Traverser des villages, et voilà ce que l'on peut découvrir. Pour nous, c'est vraiment une grande découverte, comme on peut le dire. Même le cochon d'Allier n'est pas découvert, parce qu'on mange beaucoup plus fort. Et nous voici, maintenant, accueillis par le président du comité révolutionnaire et le chef de commission de Berlin, de Paris. Présentation de surface de la commune populaire. Et maintenant, nous allons à la commune populaire pour découvrir ce vivant, une danse qui pourrait guérir le patin de science. Pour vous dire que la clinique est vraiment positive. Non, je ne parle plus de. Toutes les récupérations sont bonnes pour alimenter la terre et en assurer la production. Nous voici dans un champ de maïs, de colza. Et nous voilà devant un champ qui, de là, sortira par la suite des cacahuètes. Matériel utilisé pour le travail des champs. Et cette femme entretient le matériel industriel pour les professionnels des champs. Grand chapeau, grand corps, tout à fait le décor classique pour dire que nous sommes bien les champs. Pas très bon pour vous donner l'information, mais quand même vous pouvez constater que cet endroit du sud de la Chine est quand même assez généreux de cette terre. La région est sujette aux moussons, ce qui permet de s'approvisionner en eau et de pouvoir offrir une belle coupe. Et pendant que d'autres travaillent, certains sont sur la barre. Et se promène sur du temps et nous voyons passer une mouchon qui nous enchaîne. Pendant qu'un peu plus loin, les activités des champs ont repris. Et même vous allez pouvoir constater comment est-ce qu'on retourne faire dans l'eau, dans quelles conditions pour la plantation de l'eau. Un peu plus loin, nous découvrirons les jardins du souvenir, pour nous, qui, communément appelés chez nous, des cimetières. Et nous commençons aussi à nous imprégner de la culture de la construction chinoise. Pour nous, quelque chose de vraiment nouveau. Départ pour remonter vers Xi'an. Et nous découvrons les premières affiches qui disent « Abat la bande des cartes ». Supplément au programme tout à fait gratuit. Là, vous pouvez assister à la présentation d'un défilé d'accueil pour un ministre africain. On passe beaucoup de pommades aux Africains à cette époque. Pour aujourd'hui, on constatera qu'en 2016, la Chine prend place sur le continent africain. Mais vous pouvez constater et découvrir de quelle manière on accueillait, ou accueillons encore aujourd'hui en Chine,
les personnages importants. Tout en costume, des fleurs éveillaient la fiancée. Fini, on range les drapeaux. Je vous avoue aussi une chose, que ces quelques photos que j'ai prises, je les ai volées au travers d'une petite fenêtre, car il était absolument interdit de pouvoir filmer. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir surtout chez les filles un grand sourire sur le ventre. La multitude des costumes et leurs couleurs. Et voilà, le bel avion où arriva le ministre africain sur la terre du Chili.